Sorcières, citrouilles et autres chats noirs, c'est l'habituel apanage d'Halloween. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer un tout autre programme. Un poil plus gore et principalement constitué de purs psychopathes, j'espère que vous trouverez de quoi frissonner dans cette sélection. Prêt ? C'est parti ! Le premier livre que je vais vous présenter dans cette sélection, c'est Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud. Et déjà avec un titre pareil, vous vous dites que quand même c'est déjà mal parti pour les personnages, n'est-ce pas ? Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Car l'histoire de Plus de morts que de vivants, c'est un huis clos se déroulant à Marseille lors d'une froide journée d'hiver. On y suit le parcours de tous ses occupants, qu'il s'agisse des élèves tout comme du personnel de l'école, qui vont se voir confrontés à une situation sans précédent. Car un à un, les enfants déclarent de curieux symptômes. Des saignements de nez, des maux de tête insupportables, ou encore des pertes soudaines et impressionnantes de cheveux. Des signes qui ne vont pas aller pour le mieux et mettre tout ce gentil petit monde en danger. Le lecteur devient ainsi le spectateur du destin funeste de ces personnages placés en quarantaine. Mais pourquoi est-ce que je vous le propose? Pour vous faire faire des crises d'hypocondrie? Pour vous faire trembler de peur au prochain éternuement que vous entendrez à l'approche de l'hiver? Un petit peu, oui, mais pas seulement. C'est aussi pour le rythme effréné de cette histoire qui vous ne laissera pas le temps de vous poser mille et une questions et qui vous poussera à vivre l'histoire de façon aussi intense que ses personnages. Mais c'est aussi pour les formats et points de vue multiples mis en avant par l'auteur qui vous permettront de vivre l'histoire de façon entière et de vivre chacun des instants de façon privilégiée, comme si vous y étiez. Une chance, non? Enfin, ce sont la plume sombre et le ton sans concession de cet auteur qui viennent finir de vous enfermer dans le tourbillon infernal qui est plus de morts que de vivants. Mais alors, à qui s'adresse cette histoire? Eh bien, tout le monde, mais pas forcément les plus sensibles, car le moins qu'on puisse dire, c'est que Guillaume Guéraud n'épargne absolument pas ses personnages. Détails gore, glauques et bien graphiques sont monnaie courante dans cette histoire. Toutefois, adolescents, jeunes adultes, tout comme adultes, pourront prendre beaucoup de plaisir à cette lecture et s'identifier à de nombreux personnages. Si je devais vous recommander une situation idéale pour lire ce livre, eh bien il s'agirait d'un espace confiné et sans issue, comme par exemple un train, un avion ou pourquoi pas une jolie salle de classe, afin que vous puissiez ressentir l'angoisse et la terreur que vivent tous ces personnages au cours de cette histoire. Et vous, comment réagiriez-vous si cela se produisait demain ? Digne fils de son père, Joel dans Nosferatu vous propose de vous confronter à un véritable cauchemar. Nosferatu aurait pu être une fabuleuse histoire. Elle vous propose de découvrir le quotidien d'enfants résidant à Christmasland, un endroit fabuleux où Noël et ses festivités sont éternelles. Sauf qu'ils n'y sont pas arrivés par hasard, non? Ils ont été enlevés par Charlie Manx, un homme aux intentions tout sauf louables, à bord de sa Rolls-Royce de collection. Car pour résider à Christmasland de façon permanente, le tribut à payer est très lourd. Il faut perdre son âme et être arraché à ses parents. Dans la hôte du Père Noël, on trouvera donc des psychopathes, de l'angoisse, de la souffrance, plutôt que quelques jouets et autres sucreries. Mais Nosferatu, c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui, enfant, a échappé aux griffes de Charlie Manx, mais qui va s'y retrouver à nouveau confrontée, une fois adulte, lorsqu'il va chercher à s'en prendre, cette fois-ci, à son propre fils. De quoi donner envie de fêter Noël, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que je vous proposerais un livre aussi traumatisant? Eh bien déjà parce que c'est Halloween évidemment, aussi parce que j'ai adoré le pitch super original de cette histoire, et aussi pour la façon dont l'auteur s'est approprié Noël et ses festivités pour les pervertir au maximum. Car Joel maîtrise l'art de saccager ce qui constituait l'une des meilleures parties de l'année en un véritable cauchemar. Pas que j'ai envie de vous dégoûter de cette période, je l'adore, mais pourquoi ne pas transformer ces moments que vous trouvez si fabuleux en véritable traumatisme? Car Nosferatu, ce n'est pas seulement le parcours d'un homme fou et de son rêve absolument macabre, mais aussi le parcours d'hommes et de femmes qui auront chacun leur rôle à jouer, leur influence sur ce monde, et qui auront l'occasion de peut-être faire le bien ou le mal pour peut-être sauver ou pas quelques enfants. Car Nosferatu, c'est aussi la découverte de personnalités multiples, souvent originales, intrigantes, effrayantes, parfois attachantes mais rarement rassurantes. Mais c'est aussi un univers riche et complexe, aux nombreuses trames narratives qui sauront vous rendre très rapidement accro à cette histoire pour enfin savoir comment va se dénouer tout ce parfait cauchemar. Car oui, le cauchemar, c'est aussi ce qui fait le charme de ce récit, nous sommes quand même en période d'Halloween. Alors, si vous aimez les petites balades dans la nature et que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec des enfants, eh bien, je pense que ce livre saura vous donner de parfaits frissons. Mais c'est aussi le parfait livre à choisir si vous souhaitez enfin sortir de votre zone de confort. Vous êtes prêts à découvrir le livre qui m'a probablement le plus fichu les chocottes cette année? C'est parti pour La Chambre de Naomi, de Jonathan et Cliff. Imaginez donc un tranquille et paisible village anglais
et son équilibre tout d'un coup bouleversé par la disparition et le meurtre d'une fillette de 4 ans. La chambre de Naomi vous propose donc de suivre le quotidien de ses parents suite à cet événement tragique et traumatisant. Mais si la tristesse de ses parents est immense, c'est bientôt la peur qui se fait une place de maître dans ce foyer, puisqu'une présence à la fois familière et pourtant extrêmement terrifiante commence à prendre une place immense dans cette maison. Les malheurs, les angoisses et les tragédies sont donc sur le point de se produire à nouveau dans ce village pourtant si tranquille. Alors, pourquoi est-ce que je vous propose ce livre dans cette sélection d'Halloween? Eh bien parce que c'est vraiment le livre qui m'a le plus fait pédocher toute ma vie. Vous savez, comme quand vous regardez un petit film d'horreur et que vous vous demandez s'il n'y aurait pas une présence un petit peu dangereuse derrière votre dos, derrière votre fauteuil ou votre canapé, qui ne voudrait pas s'en prendre à vous d'une minute à l'autre. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé avec Naomi's Room à n'importe quelle heure de la journée. Alors forcément, pour un effet garanti, je vous recommande bien évidemment de le lire le soir, là vous allez bien flipper. Les frissons seront au rendez-vous. Proche du huis clos, j'ai donc adoré ce livre pour son ambiance lourde, angoissante et son suspense diablement efficace. Et croyez-moi, vous risquez de devenir méfiant de votre propre habitation, c'est ce qui m'est arrivé. Dans l'ensemble, j'ai eu la sensation de regarder un film d'horreur anticipant tous les jumpscares et prenant plaisir à découvrir tous les lieux, les personnages et les situations absolument terrifiantes que l'auteur voulait nous faire découvrir. C'est le genre de livre que je vais recommander à toutes les personnes qui souhaiteraient frissonner à toute heure de la journée, qui n'auront pas peur des récits parfois extrêmement glauques et gore parce que vraiment, l'auteur en fait des caisses, et aussi à tous ceux qui voudraient sauter à pieds joints dans l'ambiance d'un véritable film d'horreur. Je suppose que ce n'est pas forcément le livre que je vais recommander à des parents parce que, oui, forcément, le meurtre et la disparition d'enfants, je me doute bien que c'est pas très rassurant. Vous auriez pas entendu un bruit ? Classique des romans d'angoisse, Misery de Stephen King est celui à côté duquel vous ne pouvez absolument pas passer. L'histoire commence de façon assez classique avec l'accident de voiture d'un homme sur une route enneigée de montagne des États-Unis. Sauf que cet homme n'était pas n'importe qui. Non, c'est un auteur célèbre qui venait tout juste d'achever son dernier roman et qui prenait la route pour rentrer chez lui lorsque l'accident s'est produit. Par chance, une personne va venir l'arracher aux griffes du blizzard imminent, fondant sur lui. Une chance, vraiment ? Je n'en dirai pas plus car c'est probablement l'un des meilleurs huis clos que j'ai pu lire et je ne voudrais absolument pas vous ôter tout le suspense et les surprises que vous pourriez y découvrir. Car tout dans cette histoire est voué à vous surprendre et à vous pousser dans vos retranchements. La folie y est partout et sans limite, la peur l'accompagne en permanence et le lecteur ne peut s'empêcher de faire défiler les pages pour savoir où l'auteur et les personnages l'emporteront dans cette folle histoire. C'est aussi le genre de livre qui m'a aussi bien rendu mentalement que physiquement mal à l'aise. Allant de l'engourdissement total de mes jambes à des frissons prolongés, j'ai totalement et littéralement vécu cette histoire. Je buvais chacune des lignes, j'ai aussi bien aimé l'histoire que son ambiance, son suspense, ses personnages, sa folie, ses questionnements et tous les concepts qu'elle met en avant. Le lecteur s'identifie quasiment automatiquement au personnage principal et cherche avec lui toutes les solutions pour s'échapper de la situation qu'il est en train de vivre. C'est un roman que vous vivez littéralement de bout en bout, où la folie et le suspense sont les maîtres mots. C'est définitivement le genre de livre que je vais proposer à toutes les personnes qui souhaiteraient enfin découvrir Stephen King, tout simplement parce que moi je l'ai découvert avec ce roman-là, que je le trouve extrêmement accessible et qu'il est diaboliquement efficace. Il saura vous conférer ce sentiment de peur et de malaise que l'on recherche tous avec un très bon thriller. C'est aussi le genre de bouquin qui va forcément plaire aux créateurs en tout genre, que vous conceviez des histoires, que vous puissiez dessiner, peu importe le type de création que vous mettez en avant, clairement c'est un concept qui est très exploité dans cette histoire et qui l'est fait de façon extrêmement brillante et qui pourra peut-être même vous faire revoir votre passion d'une autre façon. Et on termine sur l'un de mes coups de cœur de cette année, Rosemary's Baby d'Ira Levin. Et comme dans toutes les histoires effrayantes, celle de Rosemary commençait plutôt bien. Car c'est celle d'un couple amoureux qui s'installe dans l'appartement de leur rêve en plein New York et qui décide quelques temps plus tard d'y concevoir leur premier enfant. Joli début, non ? Sauf que voilà, ce beau parcours n'était pas voué à se dérouler dans les bonnes conditions. Car leurs voisins se font de plus en plus envahissants et indiscrets, des événements tragiques se produisent autour d'eux, et la grossesse de cette pauvre Rosemary attire bien plus de convoitises et d'attention que cette pauvre femme ne le voudrait. Mais pour savoir comment et pourquoi tout va basculer dans l'horreur, il va falloir vous-même vous confronter à ce récit. Tout ce que je peux vous dire pour vous pousser à découvrir cette histoire, c'est que Rosemary's Baby n'est pas seulement un roman d'horreur, mais aussi le portrait de la noirceur humaine. C'est aussi l'histoire des doutes, des peurs, des angoisses et des ambitions qui agitent l'âme humaine et poussent les hommes à parfois commettre l'impardonnable.
Parce que croyez-moi, vous allez compatir avec Rosemary tout au long de cette histoire. Vous allez vouloir l'aider, la protéger, la soutenir dans toutes les épreuves absolument tragiques et traumatisantes qu'elle va rencontrer. Parce que l'ambiance lourde et oppressante générée par le quotidien de Rosemary et de ses détracteurs va vous rendre captif de ce récit et que vous ne pourrez pas le conserver plus de quelques jours entre vos mains, je vous le garantis. Si je vous recommande également, c'est parce que malgré l'âge de ce récit qui a été écrit dans les années 60, il n'a absolument pas vieilli. Sa morale, ses mots, ses angoisses restent parfaitement actuels et sauront vous faire frissonner peu importe la période à laquelle vous aurez découvert cette histoire. Et contrairement à certains des livres que j'ai présentés au cours de cette sélection, c'est vraiment celui qui pourra convenir à le plus de personnes. Tout simplement parce que si jamais vous avez un petit peu peur des récits qui font peur, ce n'est pas celui qui va vous traumatiser, mais il conserve cette fabuleuse dose de mystère et de noirceur qui pourront toujours éveiller votre intérêt sans toutefois vous faire trembler de peur. Il vous permet aussi de plonger dans cette atmosphère et cette ambiance délicieusement rétro, puisque clairement l'ambiance des années 60, vous la retrouvez tout au long de cette histoire. Ce n'est pas non plus le livre qui possède le plus d'action, mais c'est bien le plus réaliste dans la noirceur qu'il vous propose de découvrir. J'espère avoir pu vous faire découvrir quelques glaçantes histoires dans cette vidéo et pourquoi pas être à l'origine de quelques frissons qui pourront parcourir votre échine en cette belle période d'Halloween. En attendant, je vous fais de cauchemardesques bisous et vous dis peut-être à très bientôt. Salut !